J'ai rencontré Sacha par miracle en 1974 et c'était très drôle parce qu'on m'appelle Macha, c'était mon prénom et on, en fait c'est mon nom de famille et on m'appelle Macha parce que c'est plus facile, plus mignon. Et je l'ai rencontré dans une fête en 1974 et on m'a dit Macha, je vais te présenter Sacha. Et ça a été pour moi une révélation. Ce n'était pas une révélation amoureuse, c'était simplement. C'était tellement drôle, tellement stupide, que je trouvais cet être extraordinaire. C'était pas l'amour, c'était autre chose. Et Sacha m'a pris par la main, et on nous sommes partis ensemble, et nous ne nous sommes pas quittés depuis 20 ans, en plus. Allô Oui Ouais Je suis né en 1937. Et ma famille vient d'Estonie de, et de Lettonie. Mes parents étaient à Riga et nous sommes restés jusqu'en 1941 à Riga. Et dès 1937, mon père sentait la guerre arriver. Il a fait construire un grand bateau qui s'appelle Dart 3, qui est d'ailleurs toujours à Goteborg parce qu'il l'a vendu après la guerre. Et donc c'était pour, il avait fait un grand bateau à voile pour fuir. Il sentait la guerre. Mais euh, malheureusement, le bateau était trop grand. Et donc, il y avait l'équipage. Et l'équipage n'a pas voulu traverser la mer du Nord en 1941 à cause des mines. Et il a dû revenir à Riga. Et de Riga, on a acheté des passeports diplomatiques. Et on est parti, euh, mon père, ma mère et moi, sur la Suisse. Et après, en 1945, en France. Tous les gens de ma famille qui étaient restés en Estonie ou en Lettonie sont morts ou par les Allemands ou par les Russes pendant la guerre de 39-44. Et donc, euh, ça a été un voyage très long à travers l'Europe en guerre, avec les bombardements. Tout, on est passé par Berlin, par Vienne. et Il fallait payer, il fallait. C'est très compliqué, mais on a pu être vivant et on est revenu en France. C'est une histoire curieuse parce que. Ma famille est partie au moment des guerres de religion en Suède avec euh, Bernadotte et, et mon ancêtre était paraît-il charpentier, il faisait des meubles, ébéniste. Et un jour il s'est fâché avec le roi de Suède, il a mis toute sa, sa famille sur un petit bateau à voile avec de la farine, des clous, des outils. Et ils sont partis dans une petite île qui s'appelle Sosno, l'île des Pins et, et c'est là où vient mon nom. En France, j'ai fait des études classiques parce que mes parents, surtout mon père, ne voulaient pas que je sois artiste. Donc j'ai fait mon baccalauréat à Nice, où j'ai pris l'accent d'ailleurs. Après, j'ai fait des études de droit à Paris et l'Institut de sciences politiques. Donc j'ai plein d'amis maintenant qui sont préfets ou fonctionnaires. Et moi, j'ai pu à ce moment-là revenir artiste. Chez un artiste, il y a toujours des développements logiques. Euh, mais ça, des fois, ça devient logique beaucoup plus tard. Sur le moment, on croit que c'est le hasard. Au début, j'étais peintre, euh, sous-élève de Matisse, je faisais des arabes de couleurs. Ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Après, j'ai connu Yves Klein qui a fait le monochrome et qui donc, a pour moi arrêté la peinture tachiste. Et j'ai arrêté de peindre et j'ai été photographe. Et j'étais reporter de guerre, donc je suis allé au Biafra, en Irlande, au Bangladesh, pour prendre des photos. Il met deux laïcains. Et c'était toujours l'image, au fond. Euh, je ne savais pas, je croyais faire un autre métier, mais en réalité, c'était le même destin. Et après, j'ai arrêté les reportages de guerre, et j'ai pris mes photos, je les ai tirées sur toile, et j'ai fait des tableaux, et j'ai découvert mon concept, qui est l'oblitération. Je cache une partie de l'image par un spray, noir ou rouge, et je laisse apparaître que très peu d'images. Et j'ai développé cette théorie d'oblitération, c'est-à-dire de cacher ou par du vide, en sculpture d'ailleurs, ou par du plein, pour que le spectateur reconstruise l'image. Donc je demande beaucoup aux spectateurs, euh, moi je dis que je ne fais que 50% du travail. Et c'est vous qui finissez les œuvres d'art. Parce que l'œuvre d'art, elle est dans la tête, elle n'est pas dans l'objet l'objet c'est du matériel, c'est des molécules c'est l'art n'est que dans la tête. L'artiste vous donne des propositions et c'est vous vous avez le droit de faire ce que vous voulez et de penser ce que vous voulez. C'est vous qui êtes artiste autant que le peintre ou le sculpteur. Les photos de guerre et les reportages euh, sont toujours rejetés. On les regarde un moment et puis on se protège en ou fermant la page ou en jetant le papier dans la corbeille. J'ai voulu lutter contre ce phénomène en cachant des zones mes images restent visibles. Et, et L'oblitération au début est venue pour ne pas voir les horreurs du monde, mais quand même pour être témoin. Euh, c'est un acte un peu ambigu je cache et je montre je montre mais je cache parce que si je montre trop les gens ne vont pas regarder si vous voulez un peu prendre une analogie euh, imaginez une femme nue sur la plage ou au sauna elle est moins excitante ou sexy que si elle est juste nue sous un kimono entr'ouvert donc le fait de cacher un peu je crois, montre plus. Alors je cache par des vides, je cache par des plaines, des blocs, des plaques, des blocs comme ça, des blocs comme ça, et je demande au spectateur de reconstruire l'image. J'étais styliste, euh, j'ai travaillé pour l'Otars qui est une compagnie qui est je crois maintenant terminée et c'était les bleus délavés, euh, les, les, le tissu des hommes bleus qu'on avait trouvé au Maroc, on faisait des vêtements, des sahariennes, des, des pantalons pattes d'éléphant parce que c'était la mode, des pâtes d'œufs, pattes euh, etc. Donc je travaillais pour cette maison à Paris et j'ai rencontré Sacha et j'ai eu la révélation de la peinture parce que je ne connaissais pas le monde de, de l'art. Et Sacha faisait des tableaux qui étaient des, tableaux de, des images de guerre qu'il obitérait. C'est-à-dire qu'il cachait les choses terribles, les choses horribles. Et euh, donc, euh, il m'en a fait cadeau. Il m'a fait cadeau d'un ou deux tableaux que j'ai mis chez moi. Et mes amis qui, étaient, qui, qui travaillaient dans la mode me disaient, tu sais cet homme, il est trop bizarre, il est, il est dangereux pour toi. Cette peinture, tu te rends compte, c'est horrible. Tu ne dois pas vivre avec lui, il est trop dangereux. <laughs> Alors j'étais peintre, c'était la deuxième époque, j'étais de nouveau peintre après la photo à Paris, j'avais un bel atelier à Montparnasse, et commençait un certain succès et tout, et j'ai eu un rêve d'enfance qui vient peut-être de, de mon père ou de l'arrière-grand-père, ou de ces voyages qu'on a tous toujours fait dans la famille, j'ai voulu traverser l'Atlantique. Alors j'ai vendu mon atelier à Paris, j'ai acheté un bateau en Hollande, et avec ma fiancée, qui est devenue ma femme maintenant, on est parti trois ans naviguer, on a traversé l'Atlantique, juste tous les deux, et un chat, en mangeant du poisson et du riz. Avec... On a voyagé beaucoup avec très peu d'argent. Euh... Et on a vu plein de pays. J'ai fait juste deux expositions, une au Portugal et une au Venezuela. Et au Venezuela, ça a bien marché, on a fait beaucoup d'argent. On est reparti six mois dans les îles désertes. Et après, il a fallu rentrer en Europe. Et... Et la sculpture a débuté fort à ce moment-là. Donc, le, ça n'a pas été du temps perdu. Le bateau à voile, je crois, m'a donné aussi le, la main. Parce que sur un bateau, il faut sans arrêt réparer, euh, souder, euh, couper. Euh, et donc, euh, je crois que le fait de la, la marine à voile vous prépare très bien pour la sculpture.